Et salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une quatrième vidéo sur Palworld. Ça partait sur un coup de tête, je me suis dit, écoutez, dans la dernière vidéo, on a fait le boss ici. Alors attendez, il est où? Je suis perdu. On a fait le boss. Bah, ici, là, tout simplement, la tour du syndicat de Reign. Et j'avais découvert une autre tour beaucoup plus haut ici. La tour de la Ligue pour la protection des pâles. Je sais pas non plus du coup à quoi m'attendre. Ça se trouve, ça va être mille fois plus dur ou pas, je ne sais pas. Et bah, je me suis dit, bah, aujourd'hui, on va faire ça. Voilà, parce qu'en plus, on va découvrir... parce que j'ai encore bien avancé, j'ai un petit peu plus découvert la map. J'ai chopé des nouveaux pâles. J'ai commencé une nouvelle construction ici, donc à mon camp. Pour farmer le fer juste ici, enfin le fer, le comment t'appelles ça? Pourquoi à chaque fois je dis du fer, mais c'est pas du fer, hein, c'est du métal, voilà, c'est du métal. Donc voilà, j'ai commencé à construire une petite maison, je vous la montre un petit peu, voilà à quoi ça ressemble, c'est un petit peu original, avec une petite vue ici sur le joli pont, la vue sur l'océan. Hop, là je pense que, je sais pas encore ce que je ferai ici, mais je pense qu'il y aura une grande machine ici. Le petit coin café, le petit coin salle à manger quoi. Là il y aura donc la chambre qui est déjà quand même, qui commence déjà à être bien décorée. Petit miroir ici, petit bureau, des petites plantes hein, toujours. Et puis encore un étage bonus en haut, caché sous le toit. Je sais pas encore, on verra ce que je ferai. Mais là on a donc la plateforme de surveillance. Voilà. Alors dans mon équipe du coup j'ai des nouveaux, j'ai un nouveau pal, c'est le Blaze Hall. Que j'ai galéré à avoir. J'ai galéré à l'avoir. Oh, celle pour le Blaze Hall requis. Et attendez, est-ce que j'ai débloqué ça ou pas? Est-ce que je l'ai débloqué ou c'est pas encore? Oh, celle. Oh, incroyable. Alors malheureusement, je n'ai plus... il faut 3 points technologiques, j'en ai que 2. Dommage. Voilà, donc je vais découvrir un petit peu avec vous sa puissance aujourd'hui. Parce que je ne l'ai pas encore utilisé. On va juste rentrer au camp parce qu'il faut que je fasse un truc. Puisqu'on va aller dans à la montagne, on va aller dans un endroit où il fait quand même relativement froid. Et là actuellement sur moi j'ai l'inverse. J'ai une tenue justement pour les endroits chauds. Donc je vais l'enlever, hop je suis tout nu. Et je vais mettre l'armure en métal chauffante. Là où il fait froid c'est absolument parfait, voilà. Et je vais comme d'habitude ne pas ranger mes affaires et c'est un vrai bordel. Voilà. Donc les pales dans mon équipe, j'ai Nightwing, Fanglop, Bushy, Arzox et Blaze Hall. Donc je vais tout miser sur les 3 derniers. Et on va voir comment ça va se passer les amis tout simplement. Voilà, j'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like qui fait toujours plaisir. Pour ces petites vidéos détentes, hein, sans prise de tête, hein, vraiment là c'est vraiment chill à la cool. C'est voilà, c'est toujours assez, assez plaisant. Voilà, on est donc dans la neige, regardez comme c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et d'ailleurs, attendez. Par exemple, lui, je crois que je ne l'ai pas, lui. Hein, le Foxycle, ce pâle, je ne l'ai pas. Hein. Foxy, est-ce que je peux le trouver là-dedans? Par exemple, lui, de toute façon, je ne l'ai pas. Ah si, lui, je l'ai. D'accord, lui, je l'ai. Je sais pas si je l'ai, lui. Bon, écoutez, de toute façon, c'est simple. Ça va être vite vu. Vas-y, Blaze Hall, montre-moi de quoi tu te chauffes. Ok, déjà, il résiste. Oh oui, ça va pas être un grand problème. Ça va pas être un grand problème. Vas-y, attaque encore. Évite de mourir quand même. Ah mais il fait rien là. Allez, attaque. Voilà, hop. On capture. Ah, hop. Ce sera peut-être mieux. Vas-y, rentre, ça sert à rien. Allez, s'il te plaît. J'ai une giga sphère là, déconne pas. Allez, c'est bon. Alors est-ce qu'on l'a du coup lui? Première capture, ok c'est bon. Les nuits où les aurores sont visibles, il lève les yeux vers le ciel pour ululer une douce mélodie. Toutefois ce chant le rend vulnérable face aux ennemis. Très bien. Très bien, très bien. Bon voilà, comme ça on aura capturé un nouveau pal. C'est toujours sympa. Voilà. Allez, on va aller voir du coup cette tour. Bon, Blaze Hall il a pris un petit peu cher. Hein. Il a pris un petit peu cher. Ok, c'est des troncs d'arbres. Tour de la Ligue pour la protection des pales. On va voir ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur. J'ai 72 balles dans mon fusil, 200 dans mon pistolet, arbalète enflammée. Ça devrait aller. Alors du coup, j'ai pas besoin de ça parce qu'on peut pas les capturer. Donc autant prendre une arme. Allez, on va voir ce que ça va donner, les amis. Hop. Je maintiens. Je lance le combat. Je sais pas du tout. Ce qui va se passer, contre qui on est. Et c'est encore une bombe atomique, bien évidemment.
incroyable. Les cheveux bleus, les yeux violets. On va se faire soulever, hein. Oh non. On va se faire soulever de ouf. Trop mignon. Trop mignon. Lily et Liline. Attends, M.Kolo et Blaze Hall, tu vas voir ce qui va se passer, mon pote. Ah ouais, 70 PV quand même, le bordel. 70 PV, le bordel. En plus, mon frérot, il tire dans les murs, ça sert à rien. Allez, attaque, 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 attaque. Mec, tu peux m'aider? Ok. Il sert pas à grand chose, mais... Oh, je retire ce que j'ai dit. Oh, je retire ce que j'ai dit, ce qu'il vient de lui mettre. Oh, je retire ce que j'ai dit. Attention, le feu, ça brûle. Bah là, il suffit juste de... Arrête. Il suffit juste de courir et ça devrait relativement bien se passer. Ah, ça lui fait mal, ça, quand même. Attends, repose-toi. On va ressortir le frérot Arzox. Parce que Arzox, il a carry hein, dans la dernière vidéo. Hein. Arzox, il a carry et regardez bien. À mon avis... Ah ouais, non mais Arzox, il explose tout le monde, frérot. Arzox, il explose tout le monde. Et il a une santé d'enfer. Hein. Là, il est en train de cramer, la pauvre. Hop, esquive. J'ai faim. Tu crois que c'est le moment de manger, là? Tu crois que c'est le moment de manger, là? En fait, ce qui est dur, c'est qu'on a 8 minutes devant nous, là. Faut pas non plus trop traîner, quoi. Parce qu'en vrai, si on prend le temps, d'accord, mais on n'a pas non plus trop le temps, quoi. Vas-y, je vais envoyer une grenade électrique. J'ai jamais essayé encore. J'ai encore jamais essayé. Ah ouais. C'est malaisant. C'est malaisant. Reviens Arzox, sinon tu vas mourir. Et je veux pas que tu meurs. Vas-y, je vais sortir mon ninja Bushy. Flash furtif. Elle l'a pas vu venir celle-là. Aïe. Ça fait mal. Midlife. Bushy, il sert à rien. Je l'aime pas, j'essaye de jouer avec lui mais je l'aime pas en vrai là, le ninja là que j'ai là, il sert à rien. En fait je l'ai mis dans mon équipe parce que j'avais galéré à l'avoir. Donc je me suis dit c'est un badass le mec. Oh. Bien joué ça. Je retire ce que j'ai dit. Vas-y flash furtif. Oh non, meurs pas Bushy hein. Reviens. Reviens, il est mort. Il est mort, il est débile. Ce jeu est bugué. Ce jeu est bugué, c'est incroyable. Vas-y Fenglop, défonce-le. Voilà. Ah, le problème c'est que Fenglop, il est incroyable, mais en vrai de vrai contre les boss c'est pas terrible. J'ai l'impression. Heureusement il y a ces poutres hein, pour pouvoir se cacher derrière comme des salauds. Vas-y fais péter. Ça va, on est au-dessus de la moyenne du temps. On est au-dessus du temps et on est à la moitié de la vie. Donc en vrai de vrai, si on continue comme ça, ça passe. Par contre Fenglop, tu prends cher. On va mettre Nightwing en attendant. Le temps que tout le monde se régène. Ah! Vas-y fais péter. Fais péter. Putain, je me suis lancé dans un truc mais je suis content parce que c'est faisable hein. Franchement je pensais qu'on n'y arriverait pas mais là on va y arriver. Il nous reste un peu moins de 6 minutes. Bon. Voilà. Bon, il permet de temporiser là mon petit pal là. Parce que c'est pas le plus efficace hein, clairement. Arrête. À quel moment je ne sais pas. Est-ce que je peux envoyer une grenade encore? Hop, la grenade. Là normalement. Ouh.
Allez, reviens. Maintenant, on va mettre le meilleur de nouveau. Arzox, fais péter. L'esquive. Pas du tout, j'ai pas du tout esquivé. C'est incroyable. Elle fait la maline là, elle fait la maline. Putain, je me chie dessus là. Oh non, j'ai tiré à côté. Je m'en veux tellement. Arzox, il faut juste pas que tu meurs. Allez, on y est bientôt. Arzox est en danger, je le reprends instantanément. Et on envoie de nouveau Blaze Owl. Vas-y, Blaze Owl. Je retire tout ce que j'ai dit sur toi, défonce-la. Ok, j'ai plus beaucoup de vie. J'ai plus beaucoup de vie. Non frère, c'est un truc de baiser. C'est un truc de baiser. Alors ça, c'est un truc frustrant quand tu claques tout. Et que au dernier moment... Oh, c'est un truc de ouf. Bon, de toute façon, Bushy, il était pas terrible. Qui c'est que je pourrais prendre maintenant? Oh, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Moi, je vais prendre Univolt. Fanglob, je l'avais bien upgrade. Par contre, moi, c'est Arzox que je veux... Ah ouais, lui, je l'ai déjà upgrade de ouf. Je vais continuer. Je vais lui mettre plus de PV. Et plus d'attaque. Parce que Arzox, les gars, il faut tout miser sur lui. Il est incroyable. Hein, Et Blaze Hall, en vrai, il est un peu sous-côté. Enfin, je l'ai sous-côté. Donc, pareil. Je vais l'améliorer. L'attaque, ses points de vie. Voilà, je suis en train de tout claquer pour eux. Ils ont intérêt à me rendre l'appareil. Allez. Maintenant, je te laisse gérer. Moi, je cours. Parce que j'ai bien compris que ça marche une fois sur deux de pouvoir se cacher derrière les remparts, là. Nightwing, tu sers à quelque chose? Allez! Allez, Nightwing! Allez! Mais regardez ce débile. Ah, s'il envoie une tornade. Il envoie une tornade à côté. Impeccable. Voilà, hein, c'est un champion, ce pal. Hein. C'est un champion... C'est un champion ce pal hein. Incroyable. Adieu. Voilà, je laisse un peu faire. Débrouille-toi. Je vais quand même tirer dessus un peu parce que sinon on va jamais s'en sortir. Attention à la tornade. Ah ça passe à travers en fait. Ah mais je pensais que ça passait pas à travers. Ça me fait trop chier. Vas-y reviens. On envoie Blaze Owl. Ah. Oh j'ai sauté, arrête, fais pas genre. Ouais les attaques sont efficaces visiblement. Oh c'est bon ça. Par contre ça explose contre les parois ce qu'elle m'envoie, ça c'est pas mal. Vas-y je lui envoie une grenade. J'ai l'impression qu'on lui met quand même plus cher que tout à l'heure. On dirait. Bon après du coup j'ai upgrade. C'est vrai que j'ai upgrade ce pal hein. Par contre là il est en danger. Arrête. Comment tu fais pour esquiver ça? Ok. Te laisse pas faire, te laisse pas faire. Défonce là. Hop, esquive, incroyable. Vas-y Arzox, défonce là. Membre fondateur de la LPP. Ok, j'avais même pas fait gaffe. On va te défoncer, t'entends? Hop, je viens de sauver là. Je viens de le sauver, mon pote là. Comme ça, je vais éviter le coup fatal. Et hop! Et on y retourne. Vas-y, essaye pour voir, essaye pour voir. Hop! Hop! Ça c'est bien joué de ma part. Elle m'aime là. Là elle m'aime hein. Là elle m'aime hein. Allez Arzox, putain déconne pas. Ta charge elle a servi à rien. C'est un truc de ouf. Non, là Arzox tu sers à rien. Tu me rends ouf.
Voilà. Vas-y, charge, charge. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'elle fait que de me courser. Si ça pourrait continuer comme ça, c'est impeccable. Putain, elle va super vite. Parfait, faut que je reste au milieu, comme ça au moins Arzok, s'il arrive à... Oh oui. Oh oui, allez. Allez Arzok, charge. C'est incroyable. Oh non. Oh non. C'est atroce. Hop, je vais le sauver. Oh putain, c'est moi que je dois me sauver. Vas-y Univolt. Je t'avais oublié, j'avais oublié qu'il y avait Univolt. Là normalement je suis protégé derrière ça. C'est une vanne. Mais il y a des poutres qui sont transparentes et d'autres qui ne le sont pas. Allez. Électricité plus feu, ça doit faire du bien ça je pense. Allez, te laisse pas faire. Te laisse pas faire. Allez. Bon, de toute façon, si Univolt il meurt, je m'en fous. C'est pas lui que je vais sauver, clairement. Si, quand même. Sinon, après, je suis dans la merde. Hop, purée. C'est pas facile, hein, les gars. J'aime pas quand elle me course après. Oui. Ah, il fait pas beaucoup de dégâts en vrai, hein, lui. Wouh. Vas-y, fais péter. Putain, c'est con, à chaque fois il lui reste plus rien là. Il lui reste plus rien là. Allez, on y va, on y va. Oh, la grenade qui sert à rien. Incroyable. J'ai plus de flèches dans mon arbalète. Incroyable. Te laisse pas faire, te laisse pas faire. Ok. Oh putain, il lui reste plus rien, allez. Est-ce que j'ai le temps de manger? Oh l'esquive. Oh l'esquive, magnifique. Il reste 3 minutes, c'est la merde de ouf. Et là maintenant on envoie de nouveau. Ah, c'est pas lui que je voulais envoyer. Je voulais envoyer Arzok, fait chier. C'est pas grave. Ça fera le taf. J'ai tiré à côté, un régal. Un régal. Un régal. Allez, ça le fait. Ça le fait. Ça le fait. Allez. Allez Blaze Owl. Blaze là. J'ai tiré à côté. Toutes mes balles que je mets, elles servent à rien. C'est un régal. Donc là c'est le moment les gars. Tu prends le pistolet. Allez, allez. Il lui reste 500 PV. Si je meurs, c'est excellent. Si je meurs, c'est excellent, il lui reste que dalle. Allez, esquive. Une dernière esquive. Oh. Ouais, bah purée. GG les gars, GG les gars. Vous m'avez envoyé de la force, merci les frérots. Ah, oh, c'était chaud. Ça voulait pas, hein. Ah, je me suis fait dégager direct. J'ai même pas pu récupérer des loots ou je sais pas quoi. Ok. Eh ben, c'est GG ça. C'est GG. Bon, je suis toujours au niveau 33. Eh bien, on aura fait cette tour de la ligue pour la protection des pales. Il y a un petit boss à côté, 40, niveau 40, niveau 35, niveau 38. Ouais, parce que j'ai fait pas mal de boss en vrai, là. Vous avez vu tous les boss, là, checkés. Il y a juste là les trois là que j'ai pas encore fait ici. Mais c'est plutôt pas mal. Ah, il y a 4 S ici aussi que je peux faire comme boss. Ok. Ah, bah, je suis content. Au moins, ça s'est fait. On a une belle vue en plus sur les horizons. C'est trop bien. Bon bah les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo qui aurait pu être plus courte mais qui était un tout petit peu plus longue puisque j'ai dû refaire 2 fois le boss. Mais c'est pas grave, ça régale. Voilà, n'oubliez pas le petit like. Regardez comme c'est beau. C'est joli.
Il est beau ce jeu. Hein. Oh, franchement, il est magnifique. Allez les amis, plein de bisous et à très vite. C'était MColo, ciao tout le monde.